Bonjour, monsieur. Présentez-vous à nos lecteurs de Guinée Matin. Je suis le juge Noël Colomon, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Pita, en même temps membre titulaire de la commission supérieure de recours auprès de l'OAP. Monsieur le Président, le mercredi, dans la nuit du mercredi, dans un décret public, le président de la République vous a nommé président de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Comment est-ce que vous avez apprécié cette nomination? Bon, j'ai accueilli cette nomination avec joie et surtout avec responsabilité. Avec joie parce que je venais à peine de fêter mon anniversaire de naissance. 4 jours après, je reçois cette nomination. Vous n'êtes pas sans savoir vraiment une grande distinction. Et je disais que je reçois avec responsabilité parce que je sais que beaucoup de Guinéens en cette phase de la transition attendent beaucoup de la justice. Donc je mesure déjà, j'ai la conscience déjà des responsabilités qui m'attendent. Est-ce que vous attendiez, est-ce que vous êtes surpris d'être nommé à ce poste? Surpris, bon. Dans quel sens? Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris à partir du moment où je me sens en capacité intellectuelle, je me sens en capacité morale, je me sens en capacité physique d'assumer des responsabilités à ce niveau. Donc je ne suis pas surpris. Vu l'ampleur et l'immensité de la tâche qui vous attend, qu'est-ce que les Guinéens peuvent attendre de vous? Bon, je suis conscient quand même que de la responsabilité qui nous attend, du poids de la responsabilité. Mais bon, je ne peux pas promettre aux Guinéens de la magie. C'est qu'il y a sûr, avec les moyens intellectuels que nous avons, avec les moyens moraux que nous avons, je me dis que nous allons faire tout notre possible pour ne pas décevoir en tout cas les Guinéens, car c'est une grande responsabilité que le président de la transition vient de nous confier et à travers nous, à toute la jeunesse guinéenne. Donc je mesure vraiment la portée des choses, la portée de son acte et je me prépare en tout cas encore davantage pour mériter cette confiance et relever ce défi. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des Guinéens qui sont assoiffés de la justice? Bien, comme message, je n'ai pas un message particulier. Je vais dire seulement aux Guinéens que la création ou bien l'institution de la CRIEF est une conséquence quand même de la démocratie. Parce que qui parle de démocratie dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et en ce sens, toutes les personnes ou tous les individus qui assument une portion de pouvoir doivent rendre compte, c'est-à-dire le principe démocratique découle de ce qu'on appelle ici la redevabilité. Donc toutes les personnes qui seront justiciables devant cette cour, je veux les rassurer que là-bas, le droit sera dit et les coupables seront condamnés. Et les innocents seront purement et simplement libérés. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.